Bonjour à tous. J'ai eu envie de vous faire découvrir un auteur qui écrit aussi bien pour les adultes que pour les jeunes, que pour les enfants, les jeunes. Il s'agit de Karl Jaasen. Alors, je ne sais pas comment on dit son nom. Je pense que c'est un nom d'origine du nord de l'Europe, mais c'est un Américain. Donc, je sais encore moins comment on dit son nom en américain. C'est un journaliste et un romancier. Et en fait, c'est quelqu'un qui est amoureux de la Floride, et notamment des paysages de Floride. Il s'est rendu compte, en tant que journaliste, que l'écologie de la Floride était en danger. Et il s'est mis à écrire des romans qui se passent toujours en Floride. Des romans où il y a toujours une thématique écologique. Souvent, oui, toujours, il y a une intrigue policière. Et aussi bien en jeunesse qu'en adulte. Et en jeunesse, donc, je vous en présente trois. Vous avez Panthère. Vous avez Chouette, qui est un petit peu plus vieux. Vous voyez, il a été un peu fatigué. Et Snake Boy, qui est son dernier, que je viens de lire et que j'ai beaucoup aimé. Donc, dans les trois, et en général, pour les romans jeunesse de Karl Jaasen, c'est toujours un jeune héros, un jeune garçon assez solitaire, qui a peu d'amis, qui est un peu particulier. Et il rencontre des adultes souvent un peu farfelus. Je vais vous lire juste la première page pour que vous vous rendiez compte. Et ça mêle roman initiatique et intrigue policière. Donc là, c'est Snake Boy. Le gars s'était fait exclure du collège. Pas évident d'y arriver. Il faut enfreindre sévèrement le règlement. On avait entendu un tas de rumeurs, mais personne n'avait balancé la véritable histoire. Le gars s'appelait Jammer, et c'est moi qui ai hérité de son casier. Qui sait ce qu'il fourrait là-dedans? En tout cas, il avait dû donner la combinaison à la moitié du bahut. Il y avait toujours des élèves pour mettre le bazar dans mes affaires quand je n'étais pas dans les parages. Alors, j'ai mis un serpent dans le casier. Problème résolu. C'était un crotal diamantin de l'Est, un reptile sérieux. 8 anneaux sur la sonnette, donc il produisait un sacré raffut quand les gens ouvraient la porte du casier. Le trouillomètre grimpait en flèche. Pas de souci, le serpent à sonnette ne pouvait pas mordre. Je lui avais scotché la bouche. La manœuvre est délicate, déconseillée à la bleusaille. Il faut avoir la main ferme et zéro sens commun. Je n'essaierai pas deux fois. Mon but n'était pas que ce serpent blesse qui que ce soit. Je voulais juste que les autres arrêtent de fouiller dans mon casier. Objectif atteint. J'ai libéré le crotal à quelques kilomètres dans la descente de Grapefruit World. Excusez-moi pour mon américain. Précisément sur la souche où je l'avais trouvé. Il est important de quitter les lieux rapido parce qu'un serpent à sonnette adulte peut frapper à une distance correspondant à un tiers de sa longueur. La plupart des gens ignorent ça, et pourquoi faudrait-il qu'ils le sachent? Il ne s'agit pas d'une info indispensable pour qui mène une vie à moitié normale. Ce n'est pas mon cas. Voilà, et juste je vais vous lire aussi... un tout petit extrait qui est au début de Chouette, qui est donc un de ses premiers romans pour enfants. Il écrit « Ceci est une œuvre d'imagination. Tous les noms et les personnages en sont soit inventés, soit utilisés fictivement. Les chouettes, elles, sont un on ne peut plus réel. » Voilà, c'est pour vous redire que ce sont des romans policiers avec une thématique écologique et c'est super sympa. Merci.